Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petit tour chez Action. Donc on va commencer par ces petits tirelires en forme de cochon avec un petit texte, hein, soit Born to Shop ou soit Private Bank à 1,99€. Alors pour les petits, hein, y a pas mal d'arrivages dans tout ce qui est décoration hein, pour les chambres des enfants. Donc on a déjà ces petites tirelires, donc tirelires enfants. Donc on a en rose, en bleu, il y a du blanc je crois, et en gris. En bleu, hein, c'est un petit dinosaure. En gris, c'est un petit ourson et elles sont à 2,99€. On a des porte-manteaux. Alors les porte-manteaux, pareil, il y a plusieurs. Là, c'est par exemple des têtes de dinosaures. On a des têtes d'animaux voilà, sauvages, hein, de la savane, hein, girafes, éléphants, 2,95€. On avait même des petits nœuds de papillons. Ici, on a des porte-manteaux avec des petites étagères, soit en bleu, soit en blanc, soit couleur taupe ou en rose. À 4,95€, il y a 4 crochets. C'est un petit porte-manteau qui fait un 48 de long et en hauteur, il fait 22 cm à 4,95€. Je me répète, là, j'ai déjà dit le prix. On retrouve ici ces petits plats. Et ces petits plats en forme de feuilles. Donc on les a soit en doré, soit en gris. Pour l'instant, je vois que le petit format. 1,99€. On a également ces petites coupelles à 2,99€ en forme de feuilles. Ici, on a ces petites lanternes industrielles en bois. Bois et métal. Donc c'est une lanterne qui fait 34 cm de hauteur. 17,5 cm de diamètre à 4,99€. On retrouve ici ce petit bac. Bac courrier avec le petit tiroir hein, écrit letters en fait hein, en doré ou là on l'a aussi en noir mais on l'a également aussi hein, ce petit bac en couleur noire à 3,49€. Ici on a ces petits supports à bijoux alors avec petite tête de licorne, petit oiseau ou en petit cactus à 1,95€. J'ai ici hein, cette grande décoration murale. Alors celle-ci c'est la XL. Hein. Donc c'est la plus grande, la XL qui fait 92 cm sur 49,5 et elle est à 19,95€. Je continue avec ces tapis. Alors ces tapis, hein, il y a plusieurs modèles. On a ce modèle-là hein, qui est couleur unique, il existe plusieurs couleurs, gris clair, gris foncé, une espèce de marron clair, 130 sur 190. Et on a ceux-là. Alors celui-ci, un beige avec des petits motifs, hein, couleur marron et bleu. Sinon, on a plutôt ceux-là sur des tons orange, jaune. Pareil, hein, je pense qu'ils font 130 sur 190, donc c'est la même chose. Voilà, ils sont à 19,95€. Alors je continue avec ces vases, ces grands vases, hein, c'est le modèle Ibiza, donc il existe en grand, donc c'est celui-ci hein, qui fait, c'est soit orange, soit rose, il fait 24 cm de hauteur et il est à 2,99€, sinon on a la même chose en plus petit, là, ils sont à 1,69€. Je continue, alors là j'arrive dans tout ce qui est cuisine et dans tout ce qui est cuisine on retrouve ici cette petite étagère en bambou avec 5 pots à épices. Une petite étagère hein, qui fait 23 sur 10 sur 6,5 et elle est à 2,99€. Alors cette étagère elle est à poser mais je pense qu'il y a possibilité aussi de la fixer. Moi je trouve que c'est plus joli quand elle est posée en fait sur le plan de travail. 2,99€. On retrouve également ces boîtes de Camflex en métal. Donc il y en a plusieurs modèles à 2,99€. Les couverts hein, de la gamme Masterchef hein, elles existent avec un revêtement en effet bois ou en noir. Ou en noir, hein, c'est 16 pièces à 7,95€. Juste à côté, on a un ensemble de la marque George Wilkinson. Donc c'est composé de 5 couteaux à 7,95€. Alors ici les couverts, hein, vous pouvez les trouver hein, vendus séparément. Donc après, hein, il faut choisir le même modèle. Donc là, on a les couteaux. Je trouve qu'ils sont très jolis à 1,49€ et ils sont vendus par deux. Alors ça part très vite. Hein. Par exemple, il y avait aussi les fourchettes. Là, j'en trouve pas. Il y a les cuillères également. On a les petites cuillères. Petite cuillère à café
Donc celles-ci, elles sont à 49 centimes. Les 6, c'est des petites cuillères à thé. Et on a les petites les cuillères à dessert, elles y sont plus. On a les fourchettes à dessert, 49 centimes. Les 6. Et ceux-là, je les ai, hein, nickel. Donc après, il faut... voilà, moi, je lave pas au lave-vaisselle, je lave à la main. Je continue avec le petit électroménager. On a la friteuse ici, 3 litres. Il y avait une personne qui m'avait demandé est-ce qu'elle était encore en vente ici chez Action. En tout cas, dans celui-là, elle y est. Elle fait 3 litres. C'est la marque Tristar. 19,99 €. La grande crêpière à 15,95 €. Hein. C'est des crêpes, hein, de 30 cm de diamètre. Elles sont vendues, hein, avec la petite spatule. Les pots épices, on retrouve celui-ci à 59 centimes, très joli, hermétique. Donc il fait 10,5 cm de hauteur. On a ceux-là, hein, ceux-là, c'est mes préférés. Alors ils existent avec le couvercle en noir, en doré, mais également en couleur rose gold. Et ils sont à 1,77 € le bocal, donc ils font 10 par 10. On retrouve ici la gourde avec la petite housse de protection à 99 centimes. Je continue avec cette gamme, c'est la marque Curver, c'est des lunchbox. Donc je vous avais montré, ils les ont également chez Noz. Donc chez Noz, il y avait beaucoup plus de modèles, il y avait même un modèle encore plus petit. Donc on a celui-là, il me plaît bien, il est à 2,49 €, et celui-là à 2,59 €. Alors dans la marque Curver, on retrouve ici ces boîtes à provision, elles sont hermétiques. Alors celui-ci, c'est le modèle le plus petit, il fait 800 ml à 2,59 €. Celui-ci, il fait 1,3 litre à 2,99 €. Et celui-ci qui fait 2,3 litres à 3,99 €. Alors ça, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, j'avais déjà vu, ça me dit quelque chose. C'est toujours la marque Curver, c'est une boîte de rangement. Alors vous pouvez mettre plein de choses dessus. Soit vous mettez votre lessive, en plus on peut la tenir avec la petite poignée, il y a un couvercle. Soit vous mettez, comme c'est dessiné là, enfin comme c'est photographié, des épingles à linge. Voilà, vous pouvez vraiment mettre après, vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. 1,99 € avec poignée. Alors j'arrive dans le rayon cosmétique et je retrouve ici le gommage nettoyant, gel et gommage 2 en 1, tout type de peau, à 1,69 €. Ici ils ont remis du gel nettoyant à base d'aloe vera à 1,39 €, du démaquillant pour les yeux de la marque Nivea 1,99 € à 125 ml. Et ici, on a un exfoliant nettoyeur visage anti-acné à 1,55 €. Alors, le rayon parfum ici, il est bien chargé. C'est un parfum que je vous avais déjà montré peut-être dans une vidéo où j'avais fait parfum. Et comme je vois que voilà, il y en a un qui est ouvert, et je voulais juste vous montrer ce que ça donne pour celles qui se poseraient la question ou qui sont intéressées. Donc voilà, il y a ouvrir ici. Et il est à 8,95 €, c'est Kickoff Golden Shoes. Et c'est de l'eau de parfum, 100 ml. On retrouve ici, alors je dis on retrouve parce que c'est quelque chose qui était déjà en rayon il y a quelques semaines. C'est un ensemble de pinceaux avec une petite trousse pailletée. Donc elle n'existe que de cette couleur-là, en rose. Donc il y a 4 pinceaux plus la petite trousse. L'ensemble est à 3,49 €. Ça, c'est une petite nouveauté. Ici on a la gamme pour les cheveux longs. En fait je vous l'avais montré je sais plus dans quelle vidéo. Donc il y a le conditionneur, la shampoing, il y avait aussi également le masque. Ils sont tous à 1,29 €. Voilà, le masque il est là. Alors petit tour rapide au côté de l'alimentation. La dernière fois je cherchais des sauces comme ça, j'ai impossible d'en trouver. Quand j'en ai besoin, je voulais tester, je sais pas, il y avait des sauces. Celle-là je crois que je voulais tester. Différentes sauces. Donc on a sauce ici épicée à 1,39 €. En fait, elles sont toutes à 1,39 €. On a de sauce à l'ail. On a yummy sauce. Alors ça, c'est à base d'oignon. 1,39 €. On a de la sauce barbecue. 1,39 €. Il y a la mayonnaise belge. Et il y a même de la sauce algérienne à 1,39 €. Alors ici, je viens toujours checker. Est-ce qu'il y a les graines de lin? Et j'en trouve plus. J'en trouve plus ici chez Action. Donc on a les graines de chia, 150 g. Donc les graines de chia sont à combien?
Elle doit être à 99 centimes, hein, si mes souvenirs sont bons. Et pareil, hein, les autres graines, ou 1,29€, je ne sais plus. Je vois pas le prix en fait ici. Sinon, on a celle-ci, elles sont à 99 centimes. On a des graines de lin, mais en fait, elles sont broyées, légèrement broyées. Et c'est pas ce que je recherche. Voilà, mon petit tour, hein, s'achève. Je pense que voilà, j'ai fait le tour, hein, de ce qu'il y avait de nouveau. J'espère que ce petit tour vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.